Bonjour, je m'appelle Thomas et je vais vous raconter mon histoire. J'ai actuellement 22 ans. Ce qui s'est déroulé il y a 5 ans, je n'oublierai jamais. Avant de commencer, je voudrais préciser quelque chose. Aller sur le Deep Web, le Dark Web, appelez-le comme vous voulez, est extrêmement dangereux. N'y allez jamais. J'y suis allé, mais à l'époque, je n'étais qu'un petit con qui se croyait courageux. Retenez ceci et commençons. C'était à Noël. Je venais de recevoir un PC neuf que je réclamais depuis 2 ans, alors que l'autre marchait parfaitement. En plus de ça, j'avais reçu des DVD, mais je m'en fichais pas mal. L'ancien moi avait eu une idée incroyable. Enfin, elle l'était durant 5 minutes. Cette idée était d'aller sur le Deep Web, pensant que je n'allais pas me faire tracer, comme c'était un nouvel ordi, sans aucun compte dessus. Mais il y a l'adresse IP et tout le reste, me direz-vous. N'oubliez pas que j'étais totalement inconscient de ce qui pouvait arriver. Bref, j'ai téléchargé Tor et d'autres logiciels au cas où. J'ai lancé un navigateur spécial qui a mis 5 bonnes minutes à accéder au Deep Web. Lorsque j'y suis arrivé, j'ai tapé dans la barre de recherche pour déconner vidéo. La page des résultats s'est affichée et des pop-ups se sont ouverts. Des vidéos de mauvaise qualité en noir et blanc, comme on en voyait dans certaines compilations sur YouTube, étaient présentes sur la plupart d'entre eux. Mais il y avait aussi des promotions pour des sites de vente de drogue et d'armes. Parmi eux, a attiré mon attention. Il était petit, en haut à droite de mon écran. Sur un fond blanc, il y avait écrit en gros Black Rooms avec un lien cliquable en dessous. J'avais entendu parler des Red Rooms, des vidéos de torture en direct où il fallait faire des dons pour que celui qui diffuse la vidéo continue. Intrigué, j'ai cliqué. La page a commencé à charger. Au bout de 10 minutes, je suis allé chercher quelque chose à manger. 2 minutes plus tard, je suis revenu et la page était prête. Pour prouver à mes amis que je n'étais pas une tapette, j'ai fait un screen. En haut de cette page, il y avait écrit en gros Black Rooms. En dessous, on pouvait accéder à des vidéos en direct grâce à 3 liens. Sous les liens, on voyait que l'utilisateur était connecté en tant qu'invité spectateur. Il pouvait créer un compte ou se connecter. J'ai cliqué sur le premier lien. Comme je m'y attendais, je suis arrivé sur une vidéo avec un chat défilant sur le côté. La langue utilisée était l'anglais, et je me doute que ceux qui l'écrivaient ne l'étaient pas. Un simple pressentiment. Sur le direct, on voyait un homme assis sur le sol, en slip, les pieds et les poings liés par des fils de barbelés, en train de pleurer en essayant de dire quelque chose, noyé par les sanglots. Je me suis concentré sur le chat, où toutes les 2 minutes environ s'affichaient en gras des dons avec des propositions de souffrance à faire subir à cet homme. Je remarquai alors, au-dessus du chat, un décompte qui allait bientôt se terminer. En effet, il ne restait que 3 minutes. En regardant d'un peu plus près, j'ai tout compris. Dans le chat, il y avait 2 camps. Le premier cherchait à faire souffrir l'homme, et le deuxième à essayer de le récupérer vivant. Chaque camp faisait une offre tour à tour. Pour l'instant, les sommes atteignaient les 20 000 dollars. Et c'est le premier camp qui était en train de remporter la partie. À 30 secondes de la fin, le deuxième camp fit une tentative à 65 000 dollars, et le premier camp répondit 10 secondes plus tard avec une offre de 78 000 dollars. C'était une enchère malsaine et perverse qu'à mon avis, les sadiques remportaient la plupart du temps. Voici comment j'imaginais les choses. Un homme, le diffuseur de la vidéo ou un de ses hommes de main, enlevait un membre d'une famille riche. Puis, il les contactait en leur envoyant sans doute l'heure et le site où s'effectuerait l'enchère. Cette fois-ci, je pense qu'ils se sont attaqués à une famille moyenne, voire endettée. Enfin bref. À ce moment du direct, j'aurais aimé m'en aller. Bien que j'avais vu pas mal de films gore, je ne voulais pas regarder la suite. J'ai donc cherché le bouton pour retourner à la page précédente, mais il avait disparu. Pareil pour l'icône de croix pour fermer l'onglet. J'appuyais donc comme un taré sur le bouton éteindre du PC, mais il ne semblait pas répondre. Sur la vidéo, un mouvement a attiré mon attention. Deux bottes noires venaient de se planter devant le pauvre homme. La caméra bougea et fut placée sans doute sur un trépied, devant une table et une chaise. La table et la chaise avaient toutes les deux des sangles, ce qui laissait présager ce qui allait se passer. Un homme entra dans le champ de la caméra. Il portait un costume rouge et blanc, un masque en plastique représentant un homme avec des grosses joues roses et une barbe blanche, ainsi qu'un bonnet rouge à pompons. Un psychopathe déguisé en Père Noël. Il s'accroupit et prit une lèche sur le sol. Il tira dessus. L'homme aux poings et pieds liés entra lui aussi dans le champ de la caméra. Il était à présent nu. Il portait un collier vert foncé à grelots, auquel était rattachée la laisse.
On l'avait coiffé d'un serre-tête où étaient accrochés des bois de renne. L'homme avait un œil au beurre noir, du sang séché autour des lèvres et sous le nez. Je me rendis compte à quel point il était pâle. Il s'allongeait sur la table, sur le ventre. Le faux Père Noël entreprit de le sangler aux chevilles et aux poignets. Puis il se dirigea vers une sorte de casier en métal noir, encastré dans le mur. Il l'ouvrit. Dedans brûlait du feu et les braises s'élevaient en crépitant. Un four. À l'aide d'un gant épais, le sadique prit un tisonnier au bout orange, chauffé par les flammes. Il s'approcha de l'homme sanglé à la table. D'un geste sec, il enfonça le tisonnier brûlant dans le trou par lequel nous faisions nos besoins. L'homme-renne hurla de douleur. Quant à moi, je me précipitai dans la salle de bain pour vomir dans le lavabo. Lorsque je revins dans ma chambre, l'écran du PC était noir. Je ne voulus pas le toucher, mais je le fis pour vérifier si la page était fermée. J'effleurai le pad et tombai sur la page d'accueil de mon ordinateur. Les icônes des logiciels que j'avais installés avaient tous disparu, comme si rien ne s'était passé. 3 jours plus tard, je découvris que la webcam était allumée. Une semaine plus tard, je découvris que la localisation GPS était activée. Voilà, donc c'était la dernière vidéo de l'année, donc une vidéo Deep Web, puisque ça faisait longtemps que j'en ai pas faite. Donc j'en ai sorti une récemment, là, Flappy Bird. Et donc celle-là, ce sera la dernière de l'année. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2018.